Sur le stand du Secours Populaire, des produits de l'artisanat de Madagascar, du Sénégal et d'Amérique latine, l'association œuvre dans chacun de ces pays et propose aujourd'hui des objets solidaires de 50 centimes d'euros à 20 euros pour Noël. Tous les fonds collectés sur ces produits-là vont être directement reversés pour les projets que nous mettons en place dans ces pays directement. Et ensuite, le surplus ou les produits vendus étiquetés secours populaire, on va dire. Donc tous ces produits-là et ces recettes-là vont nous permettre de mettre en place des actions de solidarité pour Noël. L'an dernier, le marché solidaire a permis au Secours Populaire de récolter près de 800 euros sur les trois jours. Un peu plus loin se trouve le stand de la CIMAD. L'association en est à sa première participation. Elle est en quête de notoriété. Le cœur de notre travail et de notre action, c'est l'accompagnement juridique des étrangers dans leur démarche administrative. Leurs relations avec la préfecture, leurs problèmes de visa, leurs problèmes de papier, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. Présent aussi l'UNICEF et Artisans du Monde, venus présenter toutes sortes de produits issus du commerce équitable, de quoi visiblement contenter les acheteurs de tout poil. Des petits sacs pour les petits enfants, on a trouvé des couverts à salade magnifiques, on a trouvé une crèche péruvienne qui est très très belle aussi. On a trouvé différents objets que j'ai déjà oubliés, mais que je vais payer tout à l'heure. Voilà. C'est la période de Noël, donc on s'est dit que pour les enfants, les petits-enfants et quelques amis, nous allions faire nos achats ici. Même si moi, j'ai pas grand-chose, je me dis que j'en ai certainement plus que d'autres. Alors bon, voilà. Les quatre associations seront présentes sur le marché situé rue du Lieutenant-Colonel Pélissier, au centre-ville de Toulouse, jusqu'à dimanche.